Nous allons pouvoir démarrer. Bienvenue ici à Unibastion pour cet échange réservé au commerce équitable local Nouveau Paradigme. Effectivement, c'est vrai que si on fait un tout petit peu un tableau de la situation du commerce mondial aujourd'hui, on se rend compte qu'il est complètement absurde. On fait faire 30 000 kilomètres du tissu de la balle de coton au t-shirt, t-shirt qui va finalement être vendu 3 francs dans le supermarché du coin. On assiste à une crise climatique qui renforce les inégalités planétaires, un système de production des biens agricoles qui se fait au détriment des producteurs eux-mêmes, que ce soit ici au nord ou au sud. On assiste aussi à des milliardaires qui s'offrent des voyages en apesanteur, alors que des producteurs agricoles, eux, essayent de nouer les deux bouts, essayent de s'en sortir et souvent manquent d'eau. Et puis finalement, on assiste à cette pandémie qui renforce toutes les inégalités de notre société mondialisée. Donc, on est vraiment dans une situation qui aujourd'hui est devenue totalement absurde. Alors, au milieu de cette situation un peu catastrophique, même tout à fait catastrophique, inquiétante en tout cas, on a quelques petites lumières. Et c'est justement ça, ce sur quoi on va essayer de s'arrêter ce soir. Et on va voir effectivement un certain nombre de réflexions, d'activités que mènent aujourd'hui nos invités. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement que je vous propose d'essayer de ressortir ce soir avec une pointe d'espoir en se disant, tiens, on pourrait peut-être faire des choses intéressantes ensemble et on pourrait peut-être travailler ensemble. Alors, je vais vous proposer d'entendre nos invités. Ensuite, dans un deuxième temps, nous aurons un moment d'échange avec vous aussi dans la salle. Mais je vais peut-être commencer en demandant à nos différents invités de nous dire en trois phrases quelle est l'idée forte qu'ils vont développer ce soir, quelle est l'idée qui leur tient vraiment à cœur aujourd'hui. Et on va peut-être commencer avec vous, Anne Schönbar, en trois phrases. Comment est-ce que vous diriez les choses? Alors bonsoir, donc je m'appelle Anne Schönbar, je suis productrice de lait et présidente de la coopérative Faire Suisse pour un lait équitable. Donc je dirais, si je dois dire en trois phrases, je dirais que notre projet consiste en aider les producteurs de lait à reprendre la main sur la commercialisation de leur lait et de le vendre à un prix qui couvre les coûts de production, à savoir pour nous en Suisse, 1 franc par litre de lait commercialisé. Donc c'est un projet qui est à la fois militant et à la fois commercial. Merci beaucoup, Anne. Samuel Pose, vous êtes coordinateur du Trade for Development Center d'Enable, l'agence belge de développement. Vous, en trois phrases, ce que vous allez nous dire? Mais c'est que commerce équitable classique sud-nord et commerce équitable local, que ce soit ici ou bien dans les pays du sud, c'est le même combat. Les dynamiques sont les mêmes et donc on a intérêt à créer des alliances. Merci beaucoup. Julie Maison-Haute, vous êtes déléguée générale adjointe du collectif Commerce équitable France. Pour vous, en trois phrases. Oui, donc nous on rassemble les différents acteurs du commerce équitable en France et moi je vais vous parler de ce qui se passe en France où le commerce équitable local se développe très très vite et très dynamique parce que malheureusement nous avons aussi besoin de commerce équitable en France pour nos agriculteurs et agricultrices et je dirais un peu des choses comme Samuel pour dire que nous ce qu'on observe en tout cas c'est que la dynamique n'est pas du tout concurrente avec le commerce équitable nord-sud et que ça a plutôt un effet de booster, de dynamiser l'ensemble du secteur. Donc, on voit plutôt des choses extrêmement intéressantes et positives. Super, voilà déjà des belles perspectives. Et nous avons, par Skype, nous avons Alassane Ouedraogo, qui est fondateur de la plateforme du commerce équitable du Burkina Faso et de l'association Napam Beogo et Napam Bio. Est-ce que, Alassane, vous nous entendez? Alassane ne nous entend pas tout de suite. Arnaud, est-ce que peut-être que Marco est plus facilement atteignable? Non plus, pas encore. Point encore. Alors, je vais vous proposer de démarrer notre soirée, nos différentes présentations avec Lara Beranzini. Lara Beranzini, vous êtes donc la porte-parole des magasins du monde
de Suisse romande. Et puis, donc vous êtes notre hôte ce soir et vous allez nous donner un tout petit peu les éléments essentiels de la discussion de ce soir. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir ici à cette table ronde qui s'inscrit dans la campagne que la Magasin du Monde mène sur la justice climatique. Donc, une campagne qui s'intitule « Un climat de solidarité, justice économique, justice climatique ». Je tiens d'abord à remercier les intervenantes et les intervenants, ainsi que Monsieur Jean Blaisel pour la modération de cette table ronde. Et aussi toutes les personnes qui sont connectées et qui nous voient à distance. Donc, les magasins du monde existent depuis plus de 45 ans et sont des acteurs que l'on nomme, des acteurs qui s'inscrivent dans ce qu'on nomme la filière intégrée du commerce équitable, qui est composée par des organisations qui sont reconnues en tant qu'organisation du commerce équitable et qui se différencient de la filière label, qui labellise des produits plutôt que des organisations. Je ne vais pas être très longue pour mon introduction, car je souhaite laisser la parole à nos intervenantes et intervenants. Juste quelques mots en guise d'introduction. Alors, c'est vrai que face à l'urgence climatique, liée au réchauffement climatique, la pertinence du commerce équitable est parfois remise en question en raison des transports de marchandises entre les continents. Pourtant, l'analyse de la démarche et son impact sur l'environnement ne se doit pas se limiter aux questions du transport. C'est la logique solidaire de la démarche et de son impact sur l'environnement. C'est la logique solidaire du commerce équitable qui inscrit le vivant au cœur et au centre de sa mission et avant le profit et qui a des retombées humaines et environnementales qui peuvent être bien plus importantes. Les conditions économiques qui sont assurées par le commerce équitable, en effet, permettent, par exemple, de financer la transition écologique auprès des producteurs les plus défavorisés et dans les pays à faible revenu. La situation liée au changement climatique ne peut pas faire abstraction non plus de la question liée à l'injustice climatique et au fait que les personnes qui aujourd'hui, les populations qui aujourd'hui subissent le plus les effets et les catastrophes qui sont liées à cette situation, c'est les personnes les plus défavorisées et c'est aussi celles qui ont contribué le moins à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Là aussi, le commerce équitable a son rôle à jouer, est très important pour soutenir les productrices et les producteurs pour faire face aux dérèglements climatiques et ravages qu'ils ont au niveau de leur culture. Les rémunérations équitables, les primes, le préfinancement avant les récoltes et puis des relations commerciales qui s'inscrivent dans le long terme sont autant de principes qui permettent de soutenir la résilience des producteurs et des productrices. Le commerce équitable met également l'accent sur l'importance de l'agriculture familiale et sur la souveraineté alimentaire. Il permet en outre de développer et de renforcer les capacités de transformation et de commercialisation au niveau local dans les pays du Sud. Monsieur Alassane, qui est connecté avec nous, j'espère, via Skype, depuis le Burkina Faso, va nous présenter un magnifique exemple au Burkina Faso. Et le professeur Marco Cochonnet, connecté avec nous depuis le Chili, nous parlera de filières de commerce équitable qui se développent entre les pays d'Amérique latine. Ceci dit, c'est vrai que les règles du commerce international dans le monde globalisé ont des effets aussi à nos latitudes. Les problématiques qui sont dénoncées par les mouvements du commerce équitable depuis des décennies n'ont plus de frontières et ne se limitent plus aux pays à faible revenu. La situation des paysannes et des paysans à nos latitudes en est un exemple. Différents projets voient d'ailleurs le jour au niveau européen, au niveau suisse, pour proposer un autre modèle agricole et commercial aussi dans nos pays. Il y a les projets d'agriculture contractuelle de proximité qui se multiplient. Il y a en Europe plusieurs projets et initiatives de commerce équitable local qui ont vu le jour ces dernières années. Il y a la WFTO, donc l'Organisation mondiale du commerce équitable, qui aujourd'hui reconnaît en tant que structure de commerce équitable aussi des organisations au Nord. Monsieur Pousse, il va pouvoir nous dresser un peu un portrait un peu plus complet dans sa présentation de tout à l'heure.
Dans le discours, on oppose souvent équitable et local, mais ces initiatives ont en commun une vision alternative de ce que doivent être les relations commerciales entre les productrices et les producteurs, les consommatrices et les consommateurs. Une vision alternative qui est propre à nous accompagner sur le chemin de la transition écologique et sociale. Pour ne citer que quelques points en commun qui nous unissent, il y a l'engagement pour la souveraineté alimentaire, pour l'agriculture paysanne, comme alternative à l'agriculture industrielle. Il y a la solidarité, bien sûr, entre les consommatrices et les productrices. Il y a la question des prix rémunérateurs, des filières courtes, de la protection de l'environnement, de la santé, et des modèles de coopération, de mutualisation, et de transparence et puis de dialogue qui s'inscrivent dans une idée de respect mutuel. Sans oublier une convergence au niveau des débats sociétaux et en particulier la mobilisation en faveur de davantage de régulation dans le commerce international, notamment au niveau des questions environnementales et sociales. C'est en France que la formalisation de cette communauté de valeurs a été le plus formalisée et débattue. Et puis, je remercie à Julie Maisonneau d'être venue ici pour nous en parler tout à l'heure. En Suisse, il n'y a rien qui est formalisé, mais les liens entre les acteurs historiques du commerce équitable et les mouvements paysans alternatifs sont là depuis des décennies, sont là depuis le début de notre mouvement. Et d'autres, ils se tissent à fur et à mesure sur le terrain chaque jour. Les magasins du monde, par exemple, vendent aussi des produits locaux. Parmi nos 35 magasins, il y a des magasins qui sont des points relais pour les paniers de légumes, des projets d'agriculture contractuelle de proximité. Et il y en a encore d'autres qui vendent le lait équitable, la coopérative lait équitable. Donc, il y a rien qui est formalisé, mais la pratique, elle est là. Et puis, elle est portée par les bénévoles et puis les groupes des magasins. Au sein de notre mouvement, la question se pose aujourd'hui de savoir s'il faut renforcer et formaliser ces liens et comment s'y prendre. Et on se pose aussi la question de savoir si le commerce équitable local ne pourrait pas jouer aussi un rôle dans la transition écologique de l'agriculture dans nos propres pays. En conclusion, je pense qu'il est important de veiller à ce que la transition écologique ne soit pas un repli sur soi. C'est évident que le volume des marchandises qui voyagent dans le monde chaque jour est indécent et qu'il faut relocaliser, qu'il faut revoir ce modèle de consommation, de production effréné. Mais il ne faut pas perdre de vue la richesse culturelle et sociétale des échanges intercontinentaux qui font pour nous aussi partie d'un monde plus juste. Voilà. Je vous remercie, puis je laisse la parole à nos intervenants. Je voulais juste dire deux mots, remercier nos bailleurs de fonds qui nous soutiennent depuis des années et grâce auxquels on a pu organiser un cycle de table ronde pour discuter du commerce équitable et puis éditer l'exposition dont on voit quelques panneaux ici et puis le reste exposé à l'entrée de l'université. Merci beaucoup. Merci Lara, c'est vrai que pour les magasins du monde, il y a presque une révolution copernicienne à effectuer parce que c'est vrai que la réflexion a toujours été réflexion nord-sud et tout d'un coup, effectivement, ça s'incruste le commerce local et ça devient effectivement peut-être pas simple à gérer et la réflexion que vous avez entamée juste maintenant me paraît particulièrement intéressante. Nous allons voir si voilà, je vois que Alassane Ouedraogo, excusez-moi Alassane, est bien là, que Marco Cochione est bien là aussi. Bonjour, bonsoir. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Alassane. Vous êtes donc le fondateur de la plateforme du commerce équitable du Burkina Faso. Et puis, vous avez créé Napam Bio, qui compte 4 fermes, un marché de distribution locale. Et vous avez également fondé l'association Napam Beogo, qui est une structure d'accueil de réinsertion professionnelle. Alors, on va vous entendre, vous allez nous proposer votre vision du commerce mondial aujourd'hui qui s'étend du commerce équitable au domaine culturel en passant par le commerce local. C'est à vous, Alassane. On ne vous entend pas pour l'immédiat. On va essayer de voir... Votre micro est-il ouvert, Alassane? Ah zut,
Alors non, pour l'instant, on ne vous entend pas, malheureusement. On va peut-être voir avec Marco Coscione. Est-ce que vous nous entendez? Un petit peu, mais c'est déjà un bon début. On va peut-être alors commencer avec vous. Donc, vous êtes, Marco, vous êtes politologue, vous avez travaillé au sein du mouvement du commerce équitable en Italie, donc vous parlez d'italien, vous êtes actuellement en Amérique latine et vous avez aussi travaillé pour le réseau des producteurs Fairtrade. Donc, vous parlez l'anglais, malheureusement, vous ne parlez pas le français, donc on va vous entendre maintenant vous exprimer en espagnol de façon aussi simple que possible. Peut-être préciser que vous allez notamment nous dire qu'il est possible d'avoir un commerce équitable neutre en carbone et qu'un équilibre local, c'est-à-dire global, local, est possible si on favorise enfin les filières sud-sud. C'est à vous, Marco. Van a presentar la presentación o are you going to share the presentation now? Là, on vous entend pas, mais on vous a entendu avant, donc normalement, on devrait vous entendre. Les miracles de la technique, visiblement, ne sont pas là ce soir. Vous nous entendez l'un et l'autre, si je comprends bien. Marco, vous pouvez vous exprimer, parler un peu pour qu'on voit si on vous entend. Ok, je vais vous présenter. Alors, c'est très, très doucement. C'est très doux, ça va s'améliorer. Están escuchando bien? Voilà, on y est. Ok. Me dicen si están escuchando bien para poder empezar la presentación, si es posible. Ok, là je crois qu'on peut y aller, ça va aller, et puis on aura effectivement les éléments essentiels de votre présentation qui vont apparaître sur l'écran. Allez-y, Marco. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos desde Chile. Y muchas gracias a Magazine du Monde por la invitación a participar de esta mesa redonda. Y quiero aprovechar la invitación para reflexionar sobre justicia climática, justicia económica, como bases fundamentales para la construcción de un patrón productivo, comercial y de consumo sostenible, y también decolonial. ¿Están viendo la presentación? Ça va, oui, allez-y, vous pouvez y aller. Ok. La siguiente lámina, entonces. Yo no veo la presentación, disculpe. Ok. Ya, perfecto, gracias. Para poder reflexionar sobre un nuevo patrón, hay que entender dónde estamos hoy. Y hoy nos encontramos en un mundo donde nuestra civilización agota muy rápidamente los recursos que la misma tierra puede regenerar. Esta imagen, que seguramente ya muchos de ustedes vieron, representa el Overshoot Day a nivel global, el día del sobregiro, fecha en la cual hemos utilizado todos los recursos biológicos que la tierra puede renovar durante el año. Y miren qué casualidad, Chile y Suiza, a pesar de ser países muy distintos y muy lejanos, lo hacen mal los dos juntos. El día del sobregiro en Suiza es el 11 de mayo y en Chile el 17 de mayo. Y de hecho Chile es el país de América Latina que primero llega al Día Nacional del Sobregiro. Todos los recursos biológicos que explotamos después de esta fecha, la naturaleza no será capaz de renovarlos sola. Eso quiere decir que nosotros, seres humanos, debemos ayudar a la naturaleza con un sistema regenerativo en todo sentido. Adelante con la siguiente lámina. Gracias. Y esta gráfica, si puede darle más para que se vea el punto. Mira el sobregiro, la tendencia del sobregiro desde el 1970 hasta hoy.
Y miren qué curioso, en el año 2020, en lugar de seguir retrocediendo en negativo, fue positivo porque le regalamos al planeta varios días para que pudiera regenerar de forma más rápida sus recursos. Y todo esto gracias a la pandemia, una pandemia que nos obligó, aunque en poco tiempo, a ralentizar el modelo económico y a decrecer, a quedarnos en las casas y pensar otra manera de hacer, de construir nuestras relaciones. Siguiente lámina. Y si este breve decrecimiento global tuvo consecuencia positiva, bajando la presión sobre los recursos naturales, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a volver al mismo negocio de siempre, al business as usual, o buscamos una manera de profundizar la construcción de patrones de producción y comercialización y consumo más sostenible? Bueno, yo creo que para responder a esta pregunta, el movimiento global por un comercio justo puede seguir aportando desde su experiencia a la construcción de estos patrones más sostenibles y también patrones decoloniales, limitando la dependencia del sur global hacia el norte global. Siguiente. Y la construcción de estos patrones debe considerar tanto aspectos ambientales, por un lado, como otros aspectos económicos y sociales. Porque hemos visto que debemos ser capaces de bajar la presión sobre el planeta y volver a vivir dentro de los límites regenerativos biológicos del planeta. Siguiente. En los aspectos ambientales, creo que hay por lo menos tres elementos fundamentales. Si le puede tocar más a la presentación. Uno es el aspecto que guarda relación con el cambio climático, la energía que mueve los productos del comercio justo por todo el mundo y la contaminación atmosférica. Entonces, en este aspecto en particular, podemos pensar hacia futuro en construir cadenas de valor de comercio justo carbono neutrales. Esa es una gran pregunta para el comercio justo 2.0. Seguramente, yo creo que sí, y las organizaciones de comercio justo pueden realmente ser pioneras de nuevo, en este caso en establecer las necesarias alianzas para que esta carbono neutralidad en las relaciones de comercio justo también sea una realidad. Siguiente imagen. Y segundo, en relación sobre todo con el mundo agrícola, hay que enfocarse en revertir la pérdida de biodiversidad, sobre todo la pérdida de suelos sostenibles y de recursos hídricos, de agua. Y para ello es fundamental profundizar en la agroecología y también la agricultura regenerativa. Hoy en día es posible todavía pensar que casi un 50% de los productos agrícolas de comercio justo que se comercializan a nivel mundial todavía sean convencionales y no sean biológicos, no sean orgánicos, no sean agroecológicos. Yo creo que si queremos pensar en un comercio justo 2.0, debemos por lo menos partir por un comercio justo de productos orgánicos, ¿no? Ojalá después aspirar a la agroecología y también a la agricultura regenerativa. Siguiente. Pero además de ser un comercio justo biológico, también puede ser un comercio justo circular, asimilando concretamente las prácticas de la economía circular y generando cada vez menos residuos. Aquí pienso sobre todo en la cadena de valor de los bananos. Muchos de los bananos de comercio justo obviamente vienen de América Latina y es un cultivo donde se utilizan muchas bolsas plásticas que con un poquito de innovación podrían llegar a ser compostables, entonces contaminar menos y también entrar dentro del círculo de la economía circular. Y también las mismas cajas de cartón que se usan para exportar los bananos pueden convertirse a ser, eso sí, de plástico, para que se puedan reutilizar muchas veces. Ya hay alguna experiencia bien interesante en el utilizo de estas cajas y ojalá que se puedan difundir para no seguir contaminando, por ejemplo, con los cartones, si es que esto no se reciclan. Siguiente. Pero también tenemos que pensar en aspectos económicos del modelo actual, también del modelo de comercio justo, para buscar un nuevo equilibrio local, entre lo global y local al mismo tiempo. Siguiente. Y para ello hay que... siguiente lámina, por favor. Y para ello hay que bajar
por un lado, la dependencia del sur hacia el norte, que es causada por la exportación de materias primas, y promover la agregación de valor y la diversificación productiva en el sur. Esto permite mayor inclusión y generación de empleo en el sur, permite la relocalización de los circuitos de comercio justo y así la reducción también de desigualdades a lo largo de la cadena de valor, a lo largo de la cadena de suministros. Siguiente. Y aquí quiero hacer dos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de la central de cooperativas cacautera El Ceibo de Bolivia, que empezó, nació gracias a la cooperación internacional, después se desarrolló gracias al comercio justo internacional, pero finalmente se posicionó a nivel nacional gracias a la agregación de valor. Es decir, no gracias a las exportaciones que han ido disminuyendo con los años, sino gracias a la venta de producto terminado que han ido aumentando, como pueden ver del gráfico. Los productos terminados a nivel nacional son las barras verdes y las exportaciones las barras amarillas. Y el segundo ejemplo, siguiente lámina, el caso de la cooperativa del sur del Cauca, COSURCA, de caficultores de Colombia, con la cual trabajo estrechamente, que también ha ido aumentando la comercialización de productos terminados a nivel local, tanto café como jugo de fruta, como azúcar. Y también, muy importante, ha empezado a construir canales de comercio justo sur-sur, en este caso entre Colombia y Chile, justamente donde estoy viviendo, vendiendo su café orgánico, el café de comercio justo y femenino de las mujeres de la cooperativa. Y hoy se puede comercializar su café, se comercializa su café en Santiago de Chile, creando un canal de comercialización sur-sur inédito que antes no existía. Siguiente. Además de los cambios ambientales y económicos, también tenemos que vivir dentro del movimiento cambios culturales. Si queremos nuevos patrones productivos, comerciales y de consumo, también necesitamos tocar los aspectos socioculturales del movimiento. Siguiente. Y en este sentido, yo creo que es necesario un nuevo activismo, una nueva militancia en el sur. Las campañas de ciudades y universidades por el comercio justo son un ejemplo, un camino, pero no son suficientes. Y se necesitan nuevas alianzas estratégicas a nivel territorial, especialmente con los demás actores de la economía solidaria y cooperativa local, porque el comercio justo no puede caminar solo. Y muchas veces, lamentablemente, también dentro del movimiento, se cree que el comercio justo puede hacer muchas cosas solo. Se necesita entender, además, que no solo los productos certificados para la exportación son productos de comercio justo, sino todos los productos que un pequeño productor de comercio justo produce según los criterios y el sentido del comercio justo, aunque al final no tengan el sello, la marca Fairtrade y no se exporten, sino que se comercialicen a nivel local. Siguiente. Y este cambio sociocultural también implica necesariamente un nuevo lenguaje. Tenemos que empezar a hablar distinto también dentro del movimiento. Y nuevas prácticas cotidianas, adaptadas a un comercio justo decolonial, a un comercio justo 2.0, al paso con los tiempos, tanto en ámbito ambiental, como vimos, como desde el punto de vista económico y sociocultural. Entonces, desde Chile, donde se está construyendo una nueva constitución, donde la presidenta de la Convención Constitucional es una mujer indígena, les invito a descolonizarse y a mirar fuera de la caja negra en la cual vivimos todos los días y a encontrar otra forma de hacer las cosas, también dentro del movimiento. La pandemia del COVID nos ayudó, de alguna manera, logró hacernos reflexionar sobre cómo volver a los límites del planeta y, de cierta forma, cómo bajar la presión de nuestro patrón civilizatorio sobre la naturaleza. Ojalá que podamos cambiar las cosas sin necesidad de vivir cada día y cada año una pandemia distinta, porque ya sabemos que las cosas podemos hacerlas de formas distintas. Muchas gracias. Fue muy rápido, pero espero que se haya entendido el mensaje.
Merci beaucoup, Marco. C'est vrai qu'avec le support, même pour les non-hispanophones, je crois qu'on a bien réussi à suivre votre démarche. Et effectivement, c'est vrai que cette idée du local dans lequel on développe les produits et le commerce sud-sud, je crois que c'est vraiment un aspect extrêmement important. On va essayer de voir si Alassane on réussit à vous entendre, ce qui nous enchanterait évidemment. On va essayer de faire un nouvel essai. Alassane, est-ce que vous nous entendez d'abord? Visiblement, vous nous entendez, mais nous, on ne vous entend toujours pas. Ah, vous avez votre micro qui est coupé, semble-t-il. Non, mais il n'est pas barré. Ah. Voilà. Alassane. Est-ce qu'on vous entend? Essayez voir, Alassane. Moi, je vous entends. Ah, voilà, on y arrive. Il nous faudrait un tout petit peu plus fort dans la salle. Ça, c'est du ressort d'Arnaud. Est-ce que c'est possible d'avoir un tout petit peu plus fort? Parlez voir à la salle. Dites-nous juste bonjour ou quelques mots, quoi. Bonsoir. Encore quelques autres mots. Quel temps fait-il aujourd'hui? Oh, il fait... Ouais, il fait 30 degrés. C'est parfait. Extra. Merci beaucoup. Alors, Alassane Ouedraogo, vous êtes donc fondateur de la plateforme de commerce équitable au Burkina Faso. Vous avez créé plusieurs associations, des associations qui sont dans le commerce équitable, mais aussi dans la formation et la réinsertion socio-professionnelle. Donc, vous allez nous proposer une vision qui est très en coordination et qui est très proche de celle que nous a proposée tout à l'heure Marco Coscione. Et je crois que ça va être tout à fait intéressant si on réussit à vous avoir durant les minutes qui suivent. Alassane, essayez voir. Oui, effectivement. Voilà, je salue cette grande initiative des tables rondes sur le commerce équitable. Extra, on vous entend bien. Voilà. Donc, comme je vous le me présentais, et vous savez, nous avons un lien avec le commerce équitable qui a permis de développer certaines choses. Et comme c'était de vous les présenter en PDF, malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous les faire en PowerPoint parce que voilà, toute mon équipe est en vacances. Déjà, je pense que notre histoire, nous, qui se lie entre tous les acteurs du commerce équitable en France et en Suisse, que j'ai parcouru dans les années 98 pour avoir un peu plus d'expérience et pouvoir mener des partenariats pour la distribution de mes produits artisanaux entre les réseaux artisans du monde, les balafons, et puis certaines ont permis aujourd'hui à plus de 2000 artisans d'en profiter sur les 20 ans qui sont installés avec. Donc voilà, je dirais que c'est lié à le commerce équitable, apporte vraiment ce que vous avez vu. Et on a aussi une autre étape qu'on a fait, on a inséré, et c'était une insertion de la vie, insertion professionnelle des artisans handicapés, des artisans, et aujourd'hui, on est aujourd'hui à former et à sensibiliser des enfants sur ces techniques artistiques. Et voilà. Donc, c'est un peu le parcours de l'art de artisanal aujourd'hui qui nous est amené aussi à ce qu'on dit aujourd'hui de lutter contre, de poursuivre nos actions dans la sensibilisation, dans la, en évaluant sur la production locale, en sensibilisant des jeunes et des personnes sur la formation,
L'insertion, parce qu'au Burkina Faso, effectivement, il y a des écoles, mais c'est toujours, il y a ces activités ne sont pas intégrées. Et nous, en tant que structure évoluant dans le commerce équitable, Mugbié a trouvé un peu opportunité pour pouvoir rendre ça au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou et dans d'autres villes. Par contre, nous avons poursuivi nos actions lors des années 2008 pour créer la plateforme nationale du commerce équitable qui s'est aboutie en 2010 pour essayer de nous fédérer. Fédérer comment ? Fédérer dans le sens pour dire il y a aussi du savoir-faire entre nos différentes structures, mais nous ne sommes pas connus. Nous ne nous connaissons pas. C'est là où j'ai été personnellement membre fondateur avec mes collaborateurs aussi, qui est une plateforme qui fonctionne aujourd'hui avec plus de 40 membres qui agit beaucoup sur la sensibilisation, la formation et tout grâce vraiment réellement aussi à un réseau après un programme Équité qui le soutient jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me suis retiré en étant président d'honneur maintenant depuis le 30 juillet de notre Assemblée générale. Je suis content pour cette initiative. Et de l'autre côté, NAPAM, à travers son espace culturel, fait vraiment des sensibilisations, non seulement sur la sensibilisation sur l'environnement. Parce que nous savons aujourd'hui que c'est un gros problème. En 2050, je vous parle de 30 degrés aujourd'hui. En 2050, je pense qu'on aurait plus de 220 jours de plus de 40 degrés. Et après 120 jours de moins de 40 degrés. Donc, il y a une urgence climatique qui est là. Et nous, les adultes, c'est difficile. C'est pour ça qu'on met ces actions au profit de ces jeunes. Cette année, on a encadré pendant du 4 au 28 août, nous avons fait des ateliers d'initiation et vraiment plein de choses artistiques et environnement du 4 au 28 août à destination de 250 enfants. C'est ce que vous voyez sur ça. Allô? Oui, on vous entend bien. On vous suit. On arrive sur les produits certifiés bio et qui? Oui, vous arrivez sur les produits certifiés bio et équitables, dans le sens qu'aujourd'hui, et la dynamique, c'était aujourd'hui de produire. Comme l'explorant le président Thomas Sankara disait, produire consommant local. Aujourd'hui, il y a une urgence parce que le problème, c'est que tous nos produits, les produits qu'on trouve dans les super, dans les grandes alimentations, sont des produits non seulement qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc, nous avons créé aujourd'hui une usine de production d'aliments. On a aujourd'hui créé cette ferme qui produit tous nos produits fruitiers et tous nos produits légumes, et puis la production de poulet, la production pour mettre à disposition et pour les vendre dans notre réseau de distribution locale. Et aussi, on a une alimentation bio pour la diffusion. L'histoire et l'idée est de sensibiliser vraiment réellement la population sur les consommations et de faire vraiment réellement dans des espaces accessibles à tout public. Voilà. Il y a ça. De trois, nous avons aussi milité et fondé le collectif citoyen pour l'agroécologie, qui est une structure aussi que NAPAM Bigo a été membre pour vraiment accompagner sa mise en place. Et nous avons organisé la journée contre Monsanto en 2015 et des actions de sensibilisation sont en cours avec le gouvernement pour qu'ils prennent en compte vraiment cet élément qui c'est urgent qui vient au détriment du peuple. Et voilà. Donc c'est un peu tout ce que nous y contribuons à travers nos relations partenaires avec nos amis du monde. Parce que comme je le note toujours, le commerce équitable aujourd'hui à travers ça nous a fait aussi découvrir plus de monde, plus et créer plus d'emplois. Voilà. Nous avons aujourd'hui en termes de commerce équitable, en emploi sur la partie NAPAM Bio, plus de 10 000 producteurs
et 10 000 producteurs aujourd'hui et qui nous permettent aussi, que nous, grâce à eux, permettent aussi de les apporter une plus-value du travail et ouvrir des terres biologiques au Burkina Faso. Merci beaucoup, Alassane. Moi, je suis stupéfait par l'énergie que vous déployez. C'est vrai que c'est absolument incroyable de réussir à avoir en même temps cette vision globale et en même temps ces actions très concrètes, très ponctuelles les unes après les autres. Et franchement, magnifique. Bravo. Bravo, Alassane. On aura du plaisir à vous entendre encore par la suite. Merci à vous. Donc, on est ensemble. Merci. À tout à l'heure. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Merci. Voilà, on va poursuivre avec nos invités ici dans la salle, avec Samuel Pauss. Oui. Donc, vous êtes coordinateur du... C'est bizarre que ce soit en anglais pour la Belgique, hein, Trade for Development Center Enabel. Et votre centre donc soutient le commerce équitable et durable et fait la promotion d'une consommation responsable. Et puis, il faut dire que vous êtes aussi l'auteur d'une étude qui est intitulée « Le commerce équitable local belge et européen ». Si vous retrouvez très facilement ça sur Internet, si vous tapez donc « Le commerce équitable local belge et européen », vous verrez que c'est extrêmement intéressant. C'est à vous, Samuel. Je vais là. Je vous donne un programme dont on a dit le nom juste là maintenant, qui est spécialisé dans l'appui et le soutien au commerce équitable et au commerce durable. Alors, avec Marco Cocchione, on a vu le concept local et des initiatives de commerce équitable en Amérique latine. Et puis après, avec Alassane Ouedraogo, on a vu des exemples en Afrique. Et moi, maintenant, je vais essayer de faire avec vous un petit tour d'horizon des initiatives de commerce équitable local en Belgique plus spécifiquement, c'est là que j'habite, et aussi en Europe. Alors, je vois ma présentation, mais elle ne s'affiche pas. Voilà. Et donc, je vais d'abord commencer par une petite typologie des organisations, les différents types d'organisations de commerce équitable locales. Ensuite, essayer de voir quels sont les critères communs, quelles sont les caractéristiques communes ou quelles sont les divergences entre ces différents types d'organisations de commerce équitable locales, plus mettre en avant quelques points d'attention, notamment la multiplicité des labels, et d'où, avec cela, y a-t-il besoin d'une législation sur le commerce équitable? Les Français l'ont fait, sont les seuls en Europe. Est-ce que les autres pays doivent suivre? Une question intéressante. L'attention au bien-être animal. Il y a des produits, de la viande équitable qui commencent à être vendus en Belgique. Et donc, ça pose beaucoup de questions. Et bien sûr, une des grosses questions dans le mouvement, c'est la coexistence des produits équitables qui viennent du Sud avec les produits du Nord. Y a-t-il concurrence ou n'y a-t-il pas concurrence? Mais d'abord, le point de vue des consommateurs, en Belgique en tout cas. Donc, on réalise tous les deux ans régulièrement ce qu'on appelle des baromètres du commerce équitable. On prend un peu le pouls de l'opinion de la Belgique en matière, sur ce secteur. Et on voit maintenant que les chiffres deviennent assez impressionnants. Les trois quarts des Belges considèrent que le commerce équitable doit aussi cibler et concerner les agriculteurs belges et les agriculteurs européens. Alors, on voit peut-être pas tout, c'est peut-être un peu petit, mais j'ai classé les différentes organisations selon leur origine. Et je parle de marques, de gammes, de labels, et puis d'une dynamique intéressante qui est celle des circuits courts. Et donc, je vais commencer en fait par les initiatives de commerce équitable qui émanent du commerce équitable que on peut appeler maintenant classique, du commerce équitable Sud-Nord. Et donc, on voit, je vais donner juste deux exemples. Un exemple en Belgique, c'est les magasins du monde Oxfam qui maintenant proposent de la bière locale ou bien du jus de pomme belge dans leur réseau de magasins.
ou bien autre exemple, celui de Altro Mercato en Italie avec sa gamme Solidale Italiano qui propose des produits venant de l'économie sociale italienne et notamment qui ont été produits sur des terres confisquées par la mafia. On en a, je crois que c'est toi Julie qui a mis en avant Lara qui mettait en avant que la WFTO, donc le label de l'Organisation mondiale du commerce équitable, en fait depuis 2017 intègre les produits équitables locaux, que ça soit au nord d'ailleurs ou bien au sud. Et alors, fait intéressant aussi, depuis le printemps, le label Fairtrade commence à développer des projets pilotes. Et si je ne me trompe pas, en France, ils mènent des projets pilotes dans la filière du blé dans le Gers et au Poitou, une expérience en matière de filière lait. Et un label moins connu, Fair for Life, depuis le début, intégrer les produits locaux dans son référentiel. Ensuite, au niveau du commerce équitable local, il y a des initiatives qui émanent du mouvement de l'agriculture biologique. Avec un exemple en Allemagne, Naturland Fair, qui est en fait une émanation du label bio bien connu là-bas, qui s'appelle Naturland, et qui a aussi développé une version commerce équitable et qui concerne essentiellement la filière lait. Troisième catégorie, les initiatives qui émanent des producteurs. Et là, on a un très bon exemple en Suisse avec Fair Suisse. Donc, je ne rentre pas dans le détail, on va nous expliquer ça tout à l'heure. Il y a des labels aussi qui émanent directement des organisations de producteurs. Chez nous, en Belgique, le label Prix Juste Producteur qui vient du Collège des producteurs qui essaye de structurer différentes filières agricoles et le label agriéthique en France qui, si je ne me trompe pas, est aussi une émanation de producteurs. Enfin, dernière catégorie, tout ça est en évolution hein, parce que c'est une dynamique assez extraordinaire et on a vu l'apparition de coopératives de producteurs et consommateurs dans le cadre de circuits courts avec des paniers bio qui étaient déposés en magasin, ça se vend en ligne, il y a des réseaux de magasins qui sont spécifiques, qui ont été créés. Et toutes ces organisations font partie de la Fédération belge du commerce équitable. Dernier petit venu, en tout cas en Belgique, ce qu'on appelle les supermarchés coopératifs et collaboratifs. Projet vraiment très, très, très intéressant. C'est un peu basé sur le modèle de la Louve à Paris, les coopérateurs, les personnes qui achètent les produits dans ces supermarchés doivent absolument être des coopérateurs. Et ça crée des liens entre des groupes de consommateurs et des groupes de producteurs, qu'ils soient locaux ou non. Et ça permet d'offrir que des produits équitables locaux soient proposés à des prix abordables à des populations, parfois dans des régions un peu défavorisées comme celle de Charleroi en Belgique. Alors, j'espère pas être trop long, je vais essayer d'accélérer. Les caractéristiques communes aux initiatives de commerce équitable que j'ai étudiées, et là j'en ai repris que 10, ça n'a aucune valeur scientifique, hein. C'est vraiment, j'ai étudié 10 initiatives, et on voit que le prix équitable est une caractéristique, c'est la principale caractéristique, comme c'est la principale caractéristique du commerce équitable classique sud-nord. Donc, les organisations mettent véritablement bien en avant cette notion de prix équitable, avec une petite nuance, c'est que il y a beaucoup moins la référence à un prix minimum. Donc, c'est plus un prix minimum généralisé, structuré par filière. Un prix minimum pour le café, par exemple, un prix minimum pour le cacao, pour le commerce équitable sud-nord. Ici, c'est plus ça a toujours une référence au coût de production, mais ce sont des négociations entre producteurs et entre acheteurs. Autre caractéristique vraiment fondamentale, c'est le fait que les producteurs doivent être aussi organisés. Parfois, les structures sont informelles, mais c'est une caractéristique très, très importante, y compris la traçabilité physique. Là, ils sont très attentifs, à part l'une ou l'autre organisation, à avoir, à organiser et à démontrer une traçabilité physique du commerce équitable local. Par contre, et ça, Julie l'expliquera
mieux que moi tout à l'heure, en France, le commerce équitable local s'est fortement développé. En Belgique, les organisations ne sont pas tout à fait au clair sur le fait, faut-il absolument que le commerce équitable local soit aussi, propose des produits bio ou des produits issus de l'agroécologie. Marco soulignait tout à l'heure, il se posait la question, est-ce qu'un produit conventionnel peut encore être considéré comme un produit équitable aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il soit équitable pour les gens, mais aussi équitable pour la planète. Et donc, en Belgique, on n'est pas encore assez loin dans cette réflexion. Il y a des initiatives qui sont très attentives à ça, et d'autres, peut-être pas suffisamment, c'est encore fort centré sur un commerce conventionnel, mais équitable. Voilà. Oui, je voudrais quand même parler un petit peu de la notion de producteur marginalisé. Parce qu'on pourrait se dire, ben tiens, est-ce que nos fermiers en Europe sont des producteurs marginalisés ou aussi marginalisés que dans les pays du Sud? Et donc la WFTO, l'Organisation mondiale du commerce équitable, s'est centrée là-dessus et a considéré que des producteurs qui ne sont pas à même d'offrir une vie digne à leur famille et qui sont en menace constante d'être éjectés du secteur agricole, sont des personnes économiquement marginalisées, et si elles s'organisent, peuvent être considérées comme faisant partie ou comme pratiquant du commerce équitable. Je voudrais rappeler, en tout cas en Belgique, j'ai les chiffres en tête, ces 40 dernières années, 68% des fermes ont disparu. Et si on regarde au niveau de l'Union, j'ai pas les chiffres pour la Suisse, mais au niveau de l'Union européenne, c'est 30% des fermes qui ont disparu ces 15 dernières années. Donc, on voit qu'il y a cette dynamique de disparition des petites fermes familiales au profit de l'agro-industrie. Alors, je viens rapidement à quelques points d'attention. Le développement du commerce équitable local amène des labels spécifiques aussi. Donc, il y avait les labels classiques, le label Fairtrade, celui de l'Organisation mondiale du commerce équitable et Fair for Life, des labels de commerce équitable, on va dire classiques, mais on voit rien qu'en France, Agriéthique France, Bioéquitable France, Équitable Bio Français, ou dans un ordre inverse, je ne sais plus. Et chez nous, en Belgique, le label Prijus Producteur, en Allemagne, Fair Bio, Bio Garantie, c'est aussi en Belgique, c'est le label bio qui développe un volet équitable. Et donc, tous ces labels se multiplient, et je ne parle pas des labels qu'on appelle durables. Et donc, là, on voit que les critères se multiplient. Il y a des nuances entre ces différentes initiatives. Et donc, on est plusieurs à se poser la question dans mon pays, faut-il légiférer pour fixer ce qu'est le commerce équitable? Là encore, Julie pourra en dire plus parce qu'en France, ils ont depuis pas mal de temps déjà franchi le pas. Et c'est le cas, elle pourra nous exposer peut-être les avantages de la législation. Alors, très rapidement, j'ai dit que l'apparition de la viande équitable par Fairbel, l'équivalent de Fairsuite, je ne sais pas si vous proposez aussi de la viande équitable, pas encore, mais en Belgique, ils le font. Et donc, ça pose la question du bien-être animal, du nombre de bêtes par ferme, ont-elles accès à l'herbe ou pas? C'est des questions qui doivent être discutées aussi au sein du mouvement. Et enfin, la coexistence de produits du Nord et du Sud. Pour des produits comme le café, le cacao et les bananes, la question ne se pose pas trop, puisque ce sont des produits tropicaux, donc ils doivent venir tout à fait d'ailleurs. Mais pour des fleurs, pour le vin, pour le miel, c'est des questions qui se posent. Pour le miel, pas trop encore, parce que l'offre, en tout cas au niveau de l'Europe, ne rencontre pas la demande. Donc, il faut de toute façon faire venir du miel d'ailleurs, et donc autant qu'il soit équitable. Mais pour le vin et pour d'autres produits, ce sont de vraies questions. Même si la réflexion n'est pas si simple que ça, c'est pas tranché. Je veux dire, il faut prendre aussi en compte l'empreinte écologique des produits. Et peut-être qu'un produit fabriqué dans des conditions agroécologiques, transporté en bateau d'Amérique latine, peut-être même par voilier cargo, a une empreinte écologique beaucoup moins importante qu'un produit fabriqué dans le cadre de l'agro-industrie avec beaucoup d'intrants chimiques et qui serait transporté par camion pour venir dans mon pays, en Belgique. Mais voilà, ce sont toutes des réflexions qu'on doit continuer, en tout cas à notre niveau en Belgique, à discuter pour essayer de cerner un peu mieux cette dynamique, voire de l'encadrer.
On voit que ça se développe dans pas mal de pays européens, que le commerce équitable atteint maintenant une dimension universelle. Et j'ai envie de dire aux magasins du monde, en fait, parce qu'en Belgique, on a aussi les magasins du monde Oxfam, et je leur ai dit, mais vous appelez magasins du monde, vous appelez pas magasins du Sud. Donc peut-être que c'est intéressant aussi d'avoir une approche globale, une approche universelle, et je pense que tout le monde a y gagné. Et que au niveau, on remarque très fort, Julie, désolé, je fais souvent référence à toi, mais vous êtes un peu des modèles en matière de commerce équitable local. On voit fortement, et aussi en Belgique, hein, que plus le commerce équitable classique s'intéresse à la situation des producteurs locaux, plus les consommateurs ont un intérêt pour le commerce équitable en général. Et donc, on voit que au niveau des ventes, au niveau de la sensibilisation des consommateurs, c'est véritablement très important de faire l'alliance entre les deux. Voilà, j'ai terminé ici. Bon, j'étais un peu long, désolé. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Il y a plein d'éléments intéressants, mais c'est vrai que, par exemple, cette question de l'écologie, du produit écologique, du produit équitable, et qui en même temps reste dans des prix raisonnables, c'est une vraie question sur laquelle on pourra peut-être s'arrêter un petit instant tout à l'heure. On va donc poursuivre avec Julie Maison-Haute, qui avait été longuement interpellée par Samuel tout à l'heure. Donc, vous êtes déléguée générale adjointe du collectif Commerce Équitable France. Et puis, vous avez, d'une façon générale, le commerce équitable en France a développé de nombreuses filières et de nombreux accords de partenariat avec les filières alimentaires. Il peut s'agir d'hypermarchés avec lesquels vous travaillez, de petits commerces, de commerces bio. Et à ce titre-là, effectivement, votre expérience va être intéressante. Eh ben, merci beaucoup. Écoutez, bonsoir à toutes et à toutes. Je suis ravie d'être là, un peu en voisine. Moi, j'habite dans la Drôme, donc voilà, 3 heures de train de Genève. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Effectivement, je vais vous parler de l'expérience de la France sur le commerce équitable local qui, effectivement, fait un peu figure de pionnier, faut reconnaître. Et c'est sans doute le pays dans lequel, en tout cas, la dimension économique est la plus forte de ce secteur du commerce équitable local. Alors, je vais vous donner quelques éléments d'historique d'abord et puis après vous dire un peu la réalité que ça représente aujourd'hui et effectivement les sujets un peu de questions et de débats qu'on a aussi dans notre secteur. Donc moi, je travaille à Commerce Équitable France, hein, c'est la plateforme du commerce équitable en France. On a vu tout à l'heure un représentant de la plateforme Burkina. En France aussi, on a évidemment besoin, entre les différents acteurs, que ce soit les entreprises, les labels, les réseaux de distribution, les mouvements militants comme Magasin du Monde ici, de se rencontrer, de discuter et de bien se connaître et d'avoir une voix commune. Donc alors, en France, comment le commerce équitable local s'est développé. En fait, les premières initiatives ont émergé dans les années 2010 à peu près, c'est pas si vieux que ça. Et un peu dans le contexte qu'évoquait Samuel aussi, de que finalement les producteurs agricoles en particulier en France, les productrices deviennent des producteurs défavorisés. Disparition des fermes, effectivement, on est aussi en France, hein, dans un contexte où c'est la politique agricole commune qui fait beaucoup le développement agricole et les aides publiques européennes ont largement changé et donc on a eu par le passé des soutiens de prix, bon, qui ont peut-être eu des effets pervers, mais en tout cas qui se sont arrêtés et donc finalement les producteurs français se sont retrouvés dans une situation de prix mondiaux. Un peu comme les producteurs de café au Pérou, en Bolivie, ou voilà, des producteurs d'autres produits tropicaux. Finalement, pour le lait ou pour le blé, c'est pareil en France. Et puis, on a effectivement disparition de fermes. On a aussi une vraie détresse économique et sociale. Hein. On dit souvent que le taux de suicide chez les agriculteurs, il est de 20% plus élevé que pour les autres catégories sociales. Donc, on a un vrai problème de société. Voilà. C'est pas qu'un problème économique. On a besoin évidemment d'agriculteurs et d'agricultrices qui vivent correctement leur métier, et c'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. Donc voilà, un peu ce contexte-là qui fait qu'aussi cette question-là, elle est de plus en plus visible pour les citoyens, les consommateurs. Et donc la notion de commerce équitable pour des agriculteurs, des partenariats avec des agriculteurs et agricultrices en France, ça devient compréhensible et un sujet qui intéresse aussi les consommateurs. Et donc, dans ce contexte-là, bien sûr, on a en France beaucoup de circuits courts aussi qui se sont développés et qui continuent à se développer. Mais les acteurs historiques, les entreprises qui importaient des produits de commerce équitable du Sud,
se sont dit qu'il y avait aussi des choses à faire en France, et notamment dans des filières plus longues, parce que c'est là aussi que le risque est plus fort, hein, on verra tout à l'heure, mais quand il y a une laiterie au milieu, les producteurs, ils peuvent pas vendre directement aux consommateurs et donc maîtriser leur prix. Il faut qu'ils négocient, et parfois avec différents acteurs au long de la filière, et on sait que souvent la distribution est un milieu très concentré qui a beaucoup de pouvoir. Et donc voilà, les premières initiatives, elles ont été dans des filières plus longues aussi. Et donc notamment voilà, une entreprise comme Éthicable, un réseau de distribution bio comme Biocoop ont commencé à développer des partenariats avec des agriculteurs en France. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis on a eu un coup d'accélérateur effectivement grâce à la loi. En 2014, le gouvernement français a publié une loi, et avec l'accord du secteur, on va dire, qui a donné une définition précise de ce qu'est le commerce équitable et une définition universelle. C'est-à-dire qu'on a la même définition qu'un produit vienne du Sud, qu'on est voilà, du sucre du Pérou, du café d'Éthiopie ou du lait français, c'est la même définition. Et donc, on a pu aussi parler de commerce équitable, le terme, hein, alors nous, en France... Fair trade, les gens connaissent pas, hein. Mais commerce équitable, ils commencent à connaître de plus en plus. Et donc, ce terme équitable a comme une valeur symbolique forte qui parle aux consommateurs. Et donc, depuis 2014, on peut parler de commerce équitable en France. Et donc, c'est vrai que ça a donné un coup de booster, on va dire, au développement de ces filières. Alors, du coup, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est la slide d'après. Je sais pas si c'est moi qui ai la main. Donc, pour vous donner quelques exemples concrets, hein, vous voyez. Donc, aujourd'hui, voilà quelques exemples de produits alimentaires du commerce équitable français qu'on peut trouver en France. Donc, on a de tout, franchement. On a des fruits et légumes, on a de la viande, c'était évoqué tout à l'heure. On a du lait transformé, on a des produits de viennoiserie, du pain, des plantes aromatiques sous forme de tisane. Enfin, on a vraiment de tout, des œufs. Et la petite carte là que vous voyez là, c'est l'implantation des groupements de producteurs qui sont engagés dans des partenariats de commerce équitable avec différentes entreprises. Donc, il y en a 80 aujourd'hui, de toute taille. Hein, ça va d'organisations avec 5-6 producteurs. Et on a la plus grosse, c'est Biolay, qui regroupe des producteurs laitiers où il y a 1300 fermes et qui est le premier collecteur de lait bio en France. Et donc, on en voit partout, enfin voilà, répartis sur l'ensemble du territoire français. Donc, c'est une dynamique qui est quand même vraiment répartie et qui est forte. Si on regarde en termes de volume de vente, ce que ça représente, alors les ventes de commerce équitable en France aujourd'hui, c'est 1,8 milliard d'euros. Alors, je connais pas lequel de la Suisse, je pense qu'on est quand même largement en dessous, mais on est au-dessus de la Belgique. On va dire qu'on est entre les deux. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc depuis 2014, on comptabilise aussi les produits français. Et donc, en 2020, les produits français, ça représente un tiers des ventes de produits de commerce équitable. Donc, c'est quand même, voilà, on est parti de quasiment de zéro en 2014. C'est une évolution qui est extrêmement rapide, qui est... nous, on pense relativement normal, puisque si on regarde, on va dire, l'assiette d'un Français, on a quand même beaucoup plus de produits qui viennent de France que de produits tropicaux. Donc, c'est normal, quelque part, que cette place-là devienne importante. Et c'est pas forcément grave. Peut-être que demain, on aura beaucoup plus de produits commerciaux équitables venant de France en termes de part de marché que venant du Sud. Mais c'est pas grave si c'est pas en défaveur du Sud. C'est sans doute une évolution normale et en tout cas qui est... Donc, on voit qui est forte et qui est présente. Alors, ce qu'on voit aussi qui est intéressant, c'est que depuis que le commerce équitable français, effectivement, est présent, on voit que globalement, on a eu une redynamisation des ventes globales de commerce équitable. Nous, on voit aussi qu'on a un effet de notoriété. On a beaucoup plus d'intérêt médiatique sur le commerce équitable, quelle que soit voilà, la presse professionnelle ou plutôt grand public, depuis qu'on parle aussi des producteurs français. Et quand on parle des producteurs français, on va aussi parler des producteurs du Sud. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. En termes aussi de mobilisation des entreprises, on voit des entreprises qui viennent pour leurs produits français d'abord. Voilà, je sais pas, un producteur de yaourt qui va d'abord gérer le lait, évidemment, c'est sa matière première. Mais dans des yaourts, souvent, on va mettre du sucre, on va mettre du cacao, on va mettre de la vanille. Et donc, ça va amener ces entreprises-là aussi à s'interroger sur leur filière Sud. Et donc, on va pouvoir aller chercher des nouveaux acteurs qui n'est pas tellement au commerce équitable d'eux-mêmes. D'ailleurs, on a de plus en plus, nous, ce qu'on appelle des produits mixtes. Donc, voilà, des produits qui intègrent des ingrédients sud et nord. Et ça, c'est vraiment de plus en plus important. Je dirais que même on a un succès assez fort. Ça devient un peu presque un sujet marketing pour les entreprises.
Et donc, on a beaucoup de communication sur le terme équitable que, voilà, ça pose aussi des questions un peu en termes de régulation et on a un peu des craintes de fair washing sur ce sujet-là. Mais quelque part, ça prouve aussi que c'est un vrai sujet et que ça intéresse les consommateurs et le monde économique. Alors, effectivement, en France, on a une loi, ça a été évoqué à plusieurs reprises, et on a beaucoup de labels. On est parmi les contributeurs le plus important du nombre de labels. Ça vient du fait, effectivement, que finalement, différents acteurs sont mis au commerce équitable par différentes voies et ont parfois recréé des initiatives de labellisation. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 labels en France qu'on peut trouver sur des produits qui sont des produits de commerce équitable. Et donc, la loi, elle, qui est présente, elle définit ce qu'est le commerce équitable de manière assez précise hein, en termes d'engagement, en termes de prix, en termes d'engagement sur la durée, en termes de primes de commerce équitable. Depuis cet été, les engagements en termes d'agroécologie sont aussi présents dans la loi. C'était un petit peu flou jusque-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit être forcément bio pour faire du commerce équitable, mais il doit y avoir une démarche d'agroécologie. Et le commerce équitable participe souvent à aider à des conversions bio. Et donc aussi, à partir de 2023, il va devenir obligatoire en France de s'engager avec un label de commerce équitable pour pouvoir communiquer sur le commerce équitable. Donc, ceci avant de réduire un peu ces risques de fair washing. Et donc, voilà. Donc, peut-être que demain, les labels vont sans doute se resserrer, se rapprocher. Mais effectivement, aujourd'hui, on gère une diversité. On va avoir une forme d'homologation publique, en fait, de ces labels, ce qui va permettre de s'assurer que tous ces labels-là sont bien des labels sérieux, entre guillemets. Et donc qui permettent des contrôles corrects pour les consommateurs. Et donc je voulais en dernier point revenir sur cette question d'agroécologie qui est évidemment un sujet majeur, on va pas dire autre chose, et en tout cas qui est, je pense que c'est sans doute une spécificité française aussi du marché du commerce équitable, assez présent dans notre secteur du commerce équitable. Donc là j'ai mis les taux de produits équitables qui sont aussi labellisés bio. Donc, sur les filières internationales, c'est très important, c'est 90%. Et sur les filières françaises, c'est moins important, c'est 59%, mais ça progresse. Et ce que nous, on voit, on a conduit une première étude et on est en train d'en conduire une deuxième, c'est que pour ce qui est des filières locales, en tout cas, et c'est vrai aussi au sud, on voit que le commerce équitable, parce qu'il donne une sécurisation économique, en fait, hein, les producteurs vont savoir comment ils vont valoriser leurs produits, et ben ça leur permet d'être sécurisés et d'engager des changements, donc des conversions bio, et parfois même des organisations qui vont au-delà du bio, et donc qui vont rajouter des critères bien-être animal, par exemple, des questions sur la gestion des bâches en plastique quand on cultive des fraises, des choses adaptées à chaque de l'agroforesterie, etc. Et donc, on voit qu'on a une dynamique extrêmement intéressante, à la fois dans des filières conventionnelles qui réfléchissent leur transition et dans des filières bio qui ont besoin d'être pérennisées et qui parfois arrivent à aller au-delà même des cahiers des charges bio. Donc voilà, et donc ça va être présent dans la loi comme je vous l'ai dit. Enfin, c'est présent dans la loi depuis fin août, c'est tout récent. Donc c'est une dynamique qui nous paraît intéressante. Donc voilà, donc moi ce que je pourrais dire en synthèse, c'est que vous l'avez vu, ce secteur-là, il est extrêmement dynamique en France. Nous maintenant on considère que le commerce équitable c'est un secteur, on n'a pas un commerce équitable nord-sud, un commerce équitable français, en fait on a un ensemble du commerce équitable. La plupart des labels effectivement s'intéressent à la fois aux filières locales et aux filières internationales et c'est en train de se renforcer parce qu'il y a beaucoup de labels mais ils commencent à dialoguer entre eux, à élaborer des passerelles pour simplifier aussi la vie des entreprises, parce que s'ils ont 50 ingrédients, s'ils vont pas travailler avec 8 labels, voilà. Donc, il faut trouver des solutions. Et donc, voilà, on a de plus en plus un secteur qui est un secteur unique et qui a des enjeux communs. Et peut-être juste revenir sur un point qu'évoquait Samuel, la question de la concurrence, voilà, des produits. Est-ce que les produits français concurrencent des produits qui viendraient du Sud dans le secteur du commerce équitable? Alors, nous, on a historiquement peu de cas de concurrence sur le cas évoqué, par exemple, le vin équitable. En France, on vend peu de vin équitable du Chili, par exemple. On est sans doute trop franchouillard par rapport à ça. La question peut se poser sur des produits méditerranéens, où effectivement, on a à la fois des productions dans le sud de la France et dans le bassin méditerranéen. J'ai pas complètement la réponse. Mais quand même, ce qu'on a pu observer sur certains cas de figure, c'est que les consommateurs, ils sont aussi tout à fait prêts à comprendre. Je prends l'exemple du riz. On produit du riz en Camargue, on produit du riz en Italie, on produit du riz en Thaïlande, on produit du riz au Vietnam, au Laos, au Cambodge. En fait, c'est pas le même riz, tout simplement.
Et donc, le consommateur français, il est tout à fait prêt à comprendre et à acheter un jour un riz Camargue bio commerce équitable et le lendemain un riz taille bio commerce équitable. Parce que c'est pas la même logique, enfin c'est pas la même origine, c'est pas la même qualité de produit. Sur le quinoa, on a la même chose, on produit du quinoa bio en France, il n'est pas commerce équitable aujourd'hui. Et en fait, dans les magasins bio, il y a du quinoa qui vient des Andes et du quinoa français. D'ailleurs, celui des Andes est plutôt meilleur pour l'instant, tant mieux. Mais voilà, les consommateurs arrivent à travailler sur les deux aspects. Donc pour l'instant, nous, c'est pas un sujet qui pose des difficultés, en tout cas dans les filières sud. Je pense qu'on aura une question sur le sucre, parce qu'on commence à avoir du sucre betterave bio et sans doute qui sera commerce équitable demain. Mais c'est la même chose, un sucre de betterave, ce n'est pas un sucre de canne, ce n'est pas du tout la même qualité de produit. Donc, les questions peuvent se poser, je pense, pour des produits industriels qui vont peut-être rechercher de la proximité du prix. Mais le consommateur, il sait aussi voilà, faire les différences et consommer des deux. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est trop problématique. Voilà ce que je voulais vous partager. Et je serai contente de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Julie Maison-Haute. C'est vrai qu'on pourra peut-être aussi poser la question à Lassane et à Marco, comment eux considèrent effectivement cette non-concurrence, mais en même temps, quand même, certains produits ne sont pas les mêmes, mais qui peuvent se concurrencer dans les boissons sucrées, par exemple. On peut avoir peut-être parfois des problèmes qui peuvent se poser. Juste un tout petit mot à l'intention de ceux qui nous suivent actuellement sur Facebook. On a déjà reçu une question qui nous est arrivée par Facebook. N'hésitez pas, si jamais, dans l'échange que nous aurons tout à l'heure, vous aurez la possibilité, effectivement, de poser aussi vos questions depuis Facebook. Juste une question pour Marco, il faudrait juste la dire pour que je puisse l'inviter à dire en état général. Alors, effectivement, les questions pour Marco, on prendra un petit moment pour pouvoir traduire la question à Marco en italien ou en espagnol. On verra comment est-ce que Marco nous répondra. Nous avons maintenant le plaisir, vous avez vu qu'on fait un zoom comme ça d'une vision très large, une vision aussi à partir du sud, et on se rapproche de la Suisse. Et là, nous sommes maintenant dans la région, notre région, avec Anne Schönwahr, qui a fondé, mis en place, créé avec une énergie incroyable, il faut le dire, la coopérative Fair Suisse pour un lait équitable. Vous êtes une bonne ambassadrice de votre produit, n'est-ce pas, dans tous les sens. Alors, vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de comme ça. Donc, je vais vous laisser nous exprimer et nous expliquer ce que vous avez fait. Et puis, je précise qu'effectivement, je ne sais pas si vous allez le dire, que le lait équitable, ça se trouve maintenant dans de nombreux commerces, notamment, on va faire un petit coup de pub, notamment les magasins Manor, Aligro, et puis des commerces indépendants, et puis aussi depuis quelques temps, quelques mois, quelques Migros, et vous imaginez un Migros qui accepte le lait équitable. La COP, ça sera peut-être pour plus tard. On espère. Voilà, alors déjà, je remercie les magasins du monde de m'avoir proposé de venir ce soir pour vous parler de notre expérience de lait équitable, donc de commerce équitable local. Alors, j'aimerais juste préciser quand même que je ne suis pas toute seule à mener cette coopérative. On est tout un comité, on a une vidéaste, on a une secrétaire, on est beaucoup de monde là autour. Puis c'est vrai qu'on a besoin des compétences de chacun pour développer ce genre de projet. Alors, ma présentation, elle va s'articuler en différentes parties. Déjà, je vais vous parler un petit peu du contexte qui nous a amené à développer ce projet de lait équitable. Je vais vous parler un petit peu ensuite du fonctionnement de notre coopérative, puis des perspectives et enfin finalement de qu'est-ce que nous avons besoin pour mener à bien ce genre de projet. Alors, attendez-moi, je clique dessus. Contexte. Alors, je reviens un tout petit peu rapidement sur le contexte qui nous a amené à développer ce projet de lait équitable. C'est tout d'abord l'abandon des quotas laitiers en 2009. Ça a été un petit peu dans toute l'Europe au même moment que les quotas laitiers ont été abandonnés. Parce qu'il faut comprendre que jusque-là, en Suisse, c'était la Confédération qui régulait le marché laitier. Ça veut dire que chaque producteur avait un quota de lait à produire chaque année. Et ceci, ça permettait de limiter la surproduction laitière et de maintenir des prix élevés. Donc, dans les années 90, on avait du lait qui était payé jusqu'à 1,05 francs.
En 2009, abandon des quotas laitiers. Malheureusement, nous, les producteurs, on n'a pas été capables de se grouper et de réguler nous-mêmes notre production. Donc, rapidement, on s'est trouvé dans une situation de surproduction avec une chute des prix du lait. Ça a déclenché les grèves du lait, dont vous vous souvenez peut-être, hein, en 2008-2009, également en France, en Belgique, il y a eu des mouvements paysans pour contester cette baisse des prix. Donc, en 2009, on était à peu près à 75 centimes par litre de lait. Malheureusement, cette grève du lait, on peut dire que c'était un échec parce que depuis lors, les prix ont continué de chuter pour être aujourd'hui entre 55 et 60 centimes par litre de lait, alors qu'il nous faudrait un minimum de 1 franc par litre de lait pour couvrir nos coûts de production. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a perdu la moitié de nos producteurs de lait en Suisse en 20 ans. En 1996, on était encore 44 000, puis aujourd'hui, on est à peine plus de 18 000. Donc, on voit qu'il y a vraiment une réelle hémorragie chez les producteurs de lait en Suisse. Voilà. Parallèlement, en Europe, sous l'impulsion de l'European Milk Board, donc de l'EMB, il y a des projets de lait équitable qui ont commencé à émerger. Faire France en France, Faire Belle en Belgique, le Léonette en Italie. Il y a également des projets au Luxembourg, Autriche, Allemagne. Enfin, il y a une grande effervescence, je dirais, autour de ces projets de lait équitable. Donc nous, les producteurs suisses, on s'est groupés en coopérative en 2018 et on a décidé de s'insérer dans cette grande démarche européenne des laits équitables. On a commencé la commercialisation de nos produits laitiers le 23 septembre 2019. Donc, on arrive gentiment à 2 ans de commercialisation d'une gamme de produits laitiers équitables que vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc, on a diversifié nos produits. Ça va du lait au mélange fondu, au fromage à pâte mi-dure, fromage à pâte molle, crème à café. Ceci afin de répondre un peu aux demandes des consommateurs. On a réussi assez rapidement quand même à entrer dans la grande distribution. Donc, nos produits sont distribués sur l'entier du territoire national via 2 grands distributeurs, via également des plus petits distributeurs régionaux, des épiceries, des petits magasins locaux, etc. Et aussi, on a la grande satisfaction de voir que nos produits équitables, ils entrent également dans la restauration collective, que ce soit crèches, EMS, maisons de retraite, hôpitaux et autres. Les collectivités publiques s'intéressent de plus en plus à la durabilité dans l'alimentation de leur restaurant collectif et de leur restaurant d'entreprise. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de communes, de cantons, etc., ont des objectifs de durabilité dans l'alimentation et la rémunération équitable des producteurs, ça fait partie de cette durabilité. Parce que quand on parle de durabilité, on ne peut pas uniquement parler de durabilité environnementale, on doit aussi prendre en considération la durabilité sociale et la durabilité économique. Et sans durabilité économique, on n'aura jamais de durabilité sociale ni de durabilité environnementale. Au niveau de notre fonctionnement, donc on est vraiment une coopérative de producteurs de lait. Nous sommes actuellement 60 répartis sur l'entier du territoire suisse. Nous avons 100 de producteurs sur liste d'attente qui seront intégrés en fonction de l'augmentation des ventes de lait. Donc ce sera une intégration progressive de tous ces producteurs qui sont sur liste d'attente. On demande à nos producteurs de répondre à un cahier des charges et d'avoir une réflexion au niveau de l'alimentation durable du bétail et de la détention respectueuse des animaux. Nos producteurs prennent des parts sociales dans la coopérative et s'engagent à faire des animations en magasin pour aller à la rencontre des consommateurs. Parce qu'on se rend vraiment compte qu'on a un fossé qui s'est creusé entre les producteurs et les consommateurs. Et c'est à nous, les producteurs, de combler ce fossé en retournant à la rencontre des consommateurs. Ensuite, au niveau de notre fonctionnement, nous avons vraiment la nécessité de travailler avec un bilan de masse. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans nos produits laitiers équitables, ce ne sera pas forcément le lait des producteurs parce que la logistique ne nous permet pas de collecter du lait sur l'entier du territoire suisse pour l'amener chez un transformateur. Le consommateur qui achète notre lait, il fait un achat solidaire, il sait qu'en achetant une brique de lait équitable, quelque part en Suisse, un producteur est mieux payé pour son travail, mais ce ne sera pas forcément le lait du producteur qu'on va trouver dans la brique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on doit rationaliser. On doit avoir une vision durable de la logistique laitière. Donc, le lait, c'est un produit fragile qui nécessite une chaîne du froid stricte. Et c'est clair qu'on ne peut pas aller
au fin fond des Grisons, du Tessin de Saint-Gall, chercher quelques litres de lait qu'on va amener au Mont-sur-Lausanne pour le transformer. Donc, la rationalisation nous oblige de travailler avec un bilan de masse. Travailler avec un bilan de masse, ça nous permet également d'avoir des producteurs sur l'entier du territoire. Ça veut dire que même dans les régions périphériques, on va pouvoir prendre des producteurs qui vont rejoindre notre coopérative, même s'ils sont loin d'un centre de transformation laitière qui produit nos briques de lait équitables. Et ça nous permet également de développer des produits régionaux en fonction de la demande des consommateurs, même si dans la région en question, il y a peu de producteurs de lait équitables. Donc, on peut vraiment avoir de la flexibilité. Ce bilan de masse nous permet d'être extrêmement flexible au niveau de l'intégration des producteurs et du développement des produits. Au niveau des perspectives, donc bien évidemment, c'est un petit peu comme tout ce qu'on a discuté ce soir, c'est important maintenant de développer un commerce équitable local nord-nord. On espère aussi pouvoir sensibiliser les consommateurs et les collectivités à l'importance de consommer des produits équitables qui rémunèrent correctement le producteur. Notre modèle est superposable à d'autres filières, hein, que ce soit les œufs, la viande en Belgique, les légumes, les fruits. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est vraiment superposable à d'autres filières. Nous avons aussi la réflexion de développer une gamme bio, parce que c'est vrai que dans l'esprit des consommateurs, équitable et bio, c'est intimement lié. Donc, on va pas aller vers des gammes uniquement bio, parce que le conventionnel a toute sa place dans le commerce équitable aussi, en tout cas à notre avis. Mais on doit pouvoir proposer aux consommateurs des gammes conventionnelles ou bio au niveau de l'équitable. Donc, c'est quelque chose qui est en chantier chez nous. Puis, je dirais que dans les années à venir, on va très probablement développer une gamme bio équitable. Nos perspectives, c'est bien sûr de développer des partenariats, de sortir de la confrontation acheteurs, transformateurs, distributeurs, mais plutôt de travailler ensemble à des projets qui nous permettent de continuer de vivre de notre métier et bien sûr de créer des partenariats avec les consommateurs qui doivent jouer le jeu en achetant des produits un peu plus chers mais qui nous rémunèrent correctement. Puis l'objectif, c'est de se trouver sur un pied d'égalité et de pouvoir négocier les prix de manière à avoir une rétribution équitable sur toute la chaîne de valeur. Puis finalement, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs? Tout d'abord, on a besoin de coopératives qui restent en main paysanne. Ça doit être les paysans qui gèrent leur coopérative, qui vont à la rencontre des consommateurs, qui négocient avec les distributeurs, parce que finalement, c'est nous qui savons de quoi nous avons besoin pour pouvoir continuer de pratiquer notre métier. On a besoin de partenaires, comme je l'ai déjà dit. On a besoin de soutien des milieux politiques et de nos fêtières agricoles. Et nous avons besoin de garants qui assurent la réelle équité des projets. Dans notre cas, c'est l'EMB, donc l'European Milk Board, qui est garant de l'équité du projet. Donc, on doit présenter notre cahier des charges, nos comptes. Ils vont s'assurer qu'on rémunère équitablement nos producteurs, qu'on couvre réellement les coûts de production. Donc, il faut savoir qu'ils font régulièrement des calculs de coûts de production au niveau européen pour s'assurer que la rétribution est réellement équitable. Nous avons besoin d'associations de consommateurs. Donc, en Suisse romande, nous avons la Fédération romande des consommateurs qui va comparer les différents projets, qui va les analyser et qui va les critiquer aussi le cas échéant parce qu'ils veulent que le consommateur puisse acheter en connaissance de cause. Je pense que pour qu'un projet soit équitable, il doit aussi être transparent. Donc, ça veut dire que nous, les producteurs et les coopérateurs, on doit expliquer aux consommateurs comment on travaille, on doit présenter notre cahier des charges, on doit expliquer où va l'argent, parce que le consommateur est prêt à payer plus, mais il faut qu'on puisse lui assurer que ce qu'il paye en plus, ça va bien chez les producteurs et pas chez des intermédiaires. Donc, je pense que le premier garant d'un projet équitable, c'est sa transparence envers les consommateurs. On a besoin également de nos fêtières de défense agricole qui garantissent l'équité d'un projet comme le nôtre. Et on a besoin d'associations de soutien. Donc, nous, on a une association de soutien de consommateurs qui s'est spontanément créée autour de notre projet et qui, là aussi, est garant de la réelle équité de ce projet. Et dans ce qu'on observe, on a vraiment besoin de limiter au maximum l'ingérence de l'État dans ce genre de processus. Parce qu'on se rend compte que quand l'État se mêle du commerce équitable, on va devoir labelliser. Ça veut dire que c'est des coûts, ça veut dire que des petites structures vont pas forcément avoir ni les moyens financiers, ni les ressources administratives pour se faire labelliser. Ça va mettre en concurrence des petites structures avec des plus grosses qui, elles, auront les moyens de le faire,
auront les ressources administratives, logistiques et financières pour se faire labelliser. Malheureusement, ce qu'on constate aussi quand il y a une ingérence trop importante de l'État, c'est que les producteurs sont très peu impliqués dans la manière de légiférer, dans les règles qu'on veut poser autour de ce commerce équitable. Et une des premières choses, c'est d'impliquer un peu plus les producteurs dans ce genre de démarche. Puis malheureusement, quand il y a une ingérence de l'État, il y a très probablement les lobbies qui vont s'en mêler. Et un lobby de grands distributeurs est bien plus puissant qu'un lobby de petits producteurs groupés en coopérative. Donc, on peut facilement aussi se trouver dans une espèce d'inégalité au niveau d'une même filière. Voilà un petit peu ce dont finalement nous, les producteurs, nous avons besoin pour pouvoir développer un réel commerce équitable. Voilà, puis j'aimerais dire en conclusion, peut-être le commerce équitable local, c'est l'avenir pour de nombreuses filières de production dans les pays du Nord. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne. C'est intéressant, tout d'un coup, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de certification. D'ailleurs, il y a une question qu'on va vous poser tout de suite, Samuel. On a parlé de certification, comment certifier, et vous dites, moins on certifie, mieux ça vaut. Et je trouve intéressant, parce qu'effectivement, de votre regard de producteur, on comprend bien cet aspect-là. Il y a effectivement cette question qui nous est posée par Anne Monard, des magasins du Monde de la Chaux-de-Fonds. Samuel, qui nous dit comment est-ce qu'on certifie les producteurs locaux, qui devrait certifier? Moi, ma conviction, ça rejoint, enfin, je ne sais pas si ça rejoint celle de ma voisine directe, mais un peu à l'encontre de ce qui vient d'être dit. Je ne pense pas que l'État doive certifier, mais je pense que l'État doit fixer certaines règles et puis accréditer des organismes qui seraient alors à même de certifier. Mais bien sûr, il faut prendre en considération la problématique des producteurs locaux, des producteurs suisses. En Belgique et en France, il y a en plus les règles européennes qui empêchent des ententes sur les prix. Et donc, ce n'est permis qu'avec le premier acheteur. Donc, il faut faire bien attention à tout ça. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut à un moment donné qu'au niveau de la que de l'État, des pouvoirs publics, que des règles soient fixées, et ça permet ça permet plusieurs choses. Ça permet aux consommateurs de savoir ce qu'est réellement un commerce équitable, parce que Faire Suisse ou Faire Belle ou d'autres, ils disent oui, on fait du commerce équitable, mais qui peut l'attester en fait, à part eux-mêmes ou bien leurs représentants. Deuxième chose, ça permet aussi aux entreprises qui veulent se lancer dans le commerce équitable de connaître les règles, et il n'y a pas trop de surprises, et ça permet aussi aux pouvoirs publics de définir et de développer des programmes d'appui à ce commerce équitable. Merci beaucoup. On y reviendra, j'espère, effectivement. J'aurais une question et je vais vous demander de répondre de façon assez courte et on va aussi engager la discussion, mais et poser la question notamment à Alassane et à Marco. Quand Alassane, vous entendez de cette manière de nous pencher un peu sur le commerce nord-nord, le commerce local, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on risque d'un peu vous oublier? Pour Marco, in italiano, quando si vede il sviluppo del commercio nord-nord, non è un po' stress, di vedere che abbiamo tendenza di dimenticare il commercio sud-nord. Alassane, peut-être. Oui, je pense que c'est une très grande initiative aussi de pouvoir renforcer les capacités au niveau aussi du nord par rapport à la production, parce que vous savez, aujourd'hui, moi qui exporte pas mal de produits, souvent on me pose la question, est-ce qu'elle est bio, est-ce qu'elle est équitable, selon les distances. Je pense que c'est à notre rôle aujourd'hui. Le défi qui se trouve chez nous aujourd'hui, c'est que il n'y a pas assez de producteurs bio, par exemple, équitables. C'est nous, et on a peine à développer le sud-sud. Mais si il y a un travail qui est fait avec les collègues qui parlent de la politique,
On a besoin des politiques pour appuyer, pour sensibiliser. Nous, heureusement, aujourd'hui, la partie agroécologique est pris au niveau du ministère. Le ministère qui veut accompagner la mise en place des fermes agroécologiques, mettre l'agroforesterie en place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'attente. Nous devons aussi produire pour le Sud-Sud. Il y a beaucoup plus de consommation. Nous, on en importe beaucoup plus que ce qu'on produit. Et je pense qu'on n'est que complémentaire là-dessus. À chacun à grandir le réseau dans son pays pour qu'on puisse vraiment réellement faire que les consommateurs y adhèrent. Parce que sans consommateur qui a la conscience que le bio et l'équité, c'est vraiment un atout et c'est un développement local. Merci, voilà. Alassane. Je vous en prie. On a une question ici et on reviendra vers vous, Marco. Yo creo que ¿se escucha? Excusez-moi, je voulais profiter parce que ça rejoint la question que vous avez posée. En fait, c'est une question, on peut demander conseil peut-être. On a une fondation et on a développé une barre. Et les buts, c'était une barre à haute valeur nutritionnelle, pas chère, avec de la spiruline, parce qu'on travaille dans la spiruline pour la réhabilitation nutritionnelle. Donc, dans ce cas-là, c'était au Maroc. Donc, on a fait avec les ingrédients locaux au Maroc, donc des dattes, des amandes, la spiruline produite par notre partenaire. Et donc, OK, l'idée est très bonne, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Localement, le partenaire ne pouvait pas investir dans les marketing. Donc, moi, je me suis dit, si on arrive à exporter cette barre en Suisse, ça peut déclencher un intérêt pour lui de produire localement et ensuite commercialiser ici. Donc, on a fait un petit tour des magasins à Genève. J'ai vu l'année dernière Magasin du Monde ici aussi. Et puis, on m'a dit, mais là, il faut être dans les réseaux Claro. Donc, en fait, à la fin, on n'arrive à rien faire. Pour moi, aujourd'hui, la solution, c'était il faudrait trouver un partenaire qui est intéressé à la démarche. Parce que notre but, à la fin, c'est pas la Suisse, c'est le Maroc. Et le Maroc ou d'autres pays, parce qu'on est dans d'autres pays. Mais pouvoir produire un produit des hautes valeurs nutritionnelles à bas coût. Donc, ma question pour vous, c'est quoi faire? Parce que, à la fin, OK, bio, équitable, ici, là-bas. Mais comment on fait pour résoudre les problèmes locaux? Merci. Excusez-moi. Merci beaucoup pour votre question. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir y répondre tout de suite ce soir, mais effectivement, j'ai envie de dire, votre appel est lancé. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui vont effectivement venir vers vous pour vous dire, ah tiens, il y aurait cette piste-là à explorer, mais c'est évidemment pas toujours simple de réussir à commercialiser. C'est vraiment souvent là. Produire, c'est bien, et puis ensuite, effectivement, réussir à trouver les commerçants qui démarrent avec vous. Et ça, c'est effectivement. On va peut-être voir si effectivement, tout à la fin, il y a des ouvertures et des possibilités. J'aimerais revenir sur la question qu'on posait aussi à Marco. Est-ce que vous êtes un peu inquiet del sviluppo del commercio nord-nord et non più del commercio sud-nord? Allora, rispondo in italiano. C'è un po' di rumore nella trasmissione, però rispondo in italiano. In certi paesi, come il Cile, l'Argentina, per esempio, c'è preoccupazione perché il tipo di prodotto è lo stesso che si produce in Europa. Per esempio, il vino, il miele, le noci, certi frutti di bosco, sono gli stessi prodotti che si producono in Europa. Quindi c'è certa preoccupazione. Ma il problema è proprio quello che io vi dicevo prima, di cercare di costruire anche canali locali nel sud e canali sud-sud. Quindi il mercato che si perde nel nord si deve cominciare a costruire nel sud. Ed è una sfida molto importante. Gli altri paesi dove si producono prodotti come il caffè, le banane, il cacao, eccetera, che non si producono in Europa, questa preoccupazione non esiste. Perché sono prodotti complementari che non si producono in Europa e che l'Europa sì o sì dovrà continuare ad importare. A meno che fra 20 anni invece di bere caffè tutti i giorni incominciate a bere
succo di broccoli, ma non credo che il caffè sarà sempre importante in tutto il mondo. Quindi certi prodotti sempre verranno dal sud ed altri, in altri paesi come per esempio il Cile e l'Argentina, dove i prodotti sono gli stessi che nel nord, dovranno cominciare a costruire mercati nel sud o mercati sud-sud. Merci beaucoup. Donc, en quelques mots, effectivement, développer les produits pour le sud qui sont les produits en concurrence, comme les noix, comme le vin et comme ça. Et là, on peut développer des marchés sud-sud. En revanche, dès qu'il s'agit de produits que nous achetons parce qu'ils viennent du sud, type banane, eh bien là, le problème n'existe pas vraiment. Merci, Marco. Il y a une question là. Non, vous étiez... Oui, merci. Moi, je voudrais juste avoir une petite traduction de l'intervention de Marco, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment compris, ne parlant pas du tout espagnol. Est-ce que vous pourriez me faire un petit résumé hein? Donc, la première intervention au tout début. Oui, je comprends bien que vous étiez. Moi, je l'étais aussi. Est-ce qu'il y a des hispanophones qui peuvent, en quelques mots, résumer le propos? Ce que je peux faire, c'est que j'ai une traduction ici écrite en français. Je peux vous donner. Alors, effectivement, mais je pense qu'il y aura, il risque d'y avoir effectivement plusieurs personnes. Effectivement, donc l'idée forte, c'est développer le commerce sud-sud pour effectivement réussir à rendre ces pays-là autonomes. C'est vraiment cette idée forte qui a cherché à nous expliquer. Une question? Alors moi, je voulais revenir sur la labellisation et enfin, ce qui est en train de se passer en France avec la mise en application de la loi sur l'équitable à partir de 2023. En fait, j'ai un petit peu bûché sur ce qui est en train de se passer et c'est vrai que nous, avec Faire Suisse, ça nous inquiète fortement parce que si on a une telle loi qui venait à être mise en application en Suisse, eh ben, on devrait enlever notre mot équitable sur notre brique. Que c'est ce que donc Anne a expliqué tout à l'heure, cette histoire de bilan de masse, qu'on ne peut malheureusement pas avoir le lait du producteur dans la brique. C'est une réalité paysanne, en tout cas par rapport à la filière laitière. En France, ils ont la même problématique et typiquement dans ce qui est discuté actuellement en France, ça, on n'en tient pas compte. Et donc, voilà. C'est peut-être un petit peu pour ça aussi qu'il y a un peu cette inquiétude et cette réticence. Enfin, on n'est pas pour le fair washing non plus, et c'est important en effet de mettre en place des règles. Mais, enfin voilà. Et c'est une question pour vous, Madame Maison-Haute. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Si demain nous on a la même chose qui vient en Suisse, clairement, on doit enlever notre mot équitable et on va avoir un très très gros souci, quoi. Merci beaucoup. En fait, c'est la même question qui se pose, par exemple, pour les producteurs d'électricité. On achète de l'électricité durable, de l'électricité d'énergie renouvelable, mais en fait, les électrons qui arrivent à notre prise, ils viennent peut-être d'une centrale. Hein. Ça, c'est une centrale à charbon, par exemple. Et donc, effectivement, c'est exactement le même type de question qui se pose. Comment faire pour trier et comme ça? Qu'est-ce que vous en dites de cet aspect? Oui, ben, je découvre pas le sujet, hein, je vous rassure évidemment, et on a discuté à plein de reprises avec Faire France sur ce sujet-là. On a un désaccord, quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est les mouvements, les acteurs du mouvement du commerce équitable, où il y a aussi des paysans français, hein, je veux dire que c'est pas un point de vue des grandes surfaces ou des entreprises. Il y a plein, vous avez vu, il y a 80 organisations, il y a presque 10 000 producteurs paysans français qui sont dans des partenariats de commerce équitable, bien dans cette logique de solidarité. Mais où, du coup, construire une, enfin, vous n'avez pas de logique de territoire et du coup, construire une logistique sur cette base-là, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'entends votre problématique, j'ai pas vraiment la solution parce que voilà, les acteurs du commerce équitable sont vraiment très attachés à ça, aussi en termes de promesses consommateurs. C'est-à-dire que c'est pas évident d'expliquer à un consommateur que, ok, quand j'achète cette bouteille de lait, peut-être que quelque part j'ai un producteur qui a un complément de prix. Par contre, le lait qui est dans la bouteille, je sais pas du tout s'il a été payé à un prix équitable. Et donc voilà, ça, cette problématique-là, elle est compliquée. Et sur la question de la labellisation, c'est vrai que ça a un coût le label, mais en même temps, les produits de commerce équitable qu'on a aujourd'hui qui viennent du sud dans les réseaux du commerce équitable, ils sont labellisés. Donc on demande aux producteurs du sud
d'assumer ce coût, on peut trouver des moyens de les aider, de les accompagner. Et donc, pourquoi sur les producteurs du Nord, on n'aurait pas cette même logique? Pareil, on peut réfléchir des accompagnements, on peut réfléchir comment ça se fait, mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes réflexions en termes de contrôle, qui peut être bienveillant. Un contrôle, ça ne veut pas dire qu'on va sanctionner, etc. Au Nord qu'au Sud, enfin voilà, si le commerce équitable, les premières initiatives, il n'y avait pas de contrôle non plus, il n'y avait pas de label en commerce équitable. Et c'est pareil en bio aujourd'hui. Je pense que, en tout cas, on est tous d'accord et rassurés qu'il y ait quand même des formes de contrôle sur la label, sur le bio. Bah, pour moi, je pense que les consommateurs, en tout cas nous, c'est ce qu'on vit en France, ils ont la même réflexion sur le commerce équitable. Merci. Anne Chenevard. Alors, c'est vrai que les pays du Sud certifient leur commerce équitable, mais par contre, ils travaillent la plupart avec des bilans de masse. Donc, on ne va pas l'imposer. Alors, Max Havelaar, qui est quand même, en tout cas chez nous en Suisse, eh bien, eux, ils sont les précurseurs du bilan de masse et ils savent que c'est l'unique façon de faire bénéficier de cette plus-value le plus grand nombre possible de producteurs. Donc, finalement, on a des exigences avec le commerce équitable du Nord qu'on n'a pas avec celui du Sud. Donc, est-ce qu'il n'y a pas finalement un manque d'équité aussi à ce niveau-là? Ensuite, ça, c'est une première question. Puis ensuite, l'autre question qui sera pour vous, monsieur, c'est que vous dites, oui, il faut poser les règles de l'équitable. En fait, l'équitable, c'est quoi? L'équitable, c'est du conventionnel, c'est du bio, ça couvre les coûts de production. Vous dites, oui, on veut poser des règles sur l'équitable, mais c'est quoi l'équitable? Pour vous, c'est quoi? Comment on peut, quelque chose d'aussi large, le légiférer en disant, c'est ça et c'est pas ça? Moi, je pense que c'est impossible. Samuel Rose. Je vais d'abord vous répondre, et puis par rapport à votre intervention, j'ai aussi une petite question pour Julie. En fait, il faut quand même que quelque part soit défini ce qu'est le commerce équitable et que ça soit porté par les pouvoirs. Moi, ce qui pourrait faire le plus consensus, c'est par les pouvoirs publics, avec des consultations hyper larges, peut-être que avec des variantes, avec peut-être différentes étapes, avec des progressions. C'est pas juste blanc, noir, c'est oui, c'est non. Il peut y avoir aussi des périodes d'adaptation, mais je pense qu'à un moment donné, il doit y avoir une définition pour que ça soit quand même clair pour le consommateur, les entreprises, et puis aussi pour les pouvoirs publics eux-mêmes. Et par rapport à ce que vous disiez sur le bilan de masse, c'est vrai que j'avais aussi la question dans le secteur du cacao. Cacao équitable fonctionne aussi avec le système de mass balance, le bilan de masse. Et donc la question pour Julie, c'est est-ce que c'est véritablement ça le problème, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre le bilan de masse dans le secteur du lait, ce qui est pratiqué par Fair France, et ce qui se passe dans le secteur du cacao certifié par Fairtrade, par exemple? Donc moi, ce que j'apprends ce soir, c'est que si j'achète du cacao ou du café au magasin du Monde, on me le certifie équitable, mais il n'est pas forcément, il provient pas forcément de... C'est pas ça. C'était justement pour ça qu'au début, j'ai bien spécifié que les magasins du Monde font partie de ce qu'on appelle la filière intégrée. Donc du coup, la filière intégrée, elle certifie des organisations de commerce équitable et on garantit la traçabilité sur les produits. Et c'était d'ailleurs un gros débat entre la filière intégrée et puis la filière labellisée qui s'est développée par la suite quand la filière labellisée est rentrée dans la logique du bilan de masse, parce que du coup, effectivement, on perdait cette traçabilité. Je voulais juste compléter d'abord pour dire que dans les filières Fairtrade, tout n'est pas en bilan de masse. C'est pas 100%. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire que les pourcentages, honnêtement, mais c'est pas la part la plus importante, à mon avis. Par ailleurs, sur ce que je connais, moi, donc le commerce équitable qui se vend en France, comme je vous l'ai dit, ce qui vient du Sud, c'est 90% de bio. Donc, quand même, en bio, on a quand même une traçabilité qui est forte, puisqu'on a un cahier des charges de mode de production, donc on mélange pas du bio avec du non-bio. Donc, on a sur le marché français peu de produits qui sont sur du bilan de masse pur sur des filières sud. Mais bon, j'entends que c'est un débat. Hein. J'ai pas la solution complète par rapport à ça. En tout cas, voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel notre secteur est très attaché en France, de savoir d'où viennent les produits, en fait, tout simplement, et de pouvoir expliquer ça clairement aux consommateurs. Il y avait une autre question? Non?
J'avais une autre question juste que nous pose Anne Monard, Julie Maison-Haute. Une toute petite question en deux mots. Est-ce qu'il existe des centrales d'achat en France, comme on peut avoir chez nous avec Claro, par exemple? Donc en France, la centrale d'achat qui s'appelle Solidar Monde, qui est pareil, une organisation de commerce équitable et qui vend dans les réseaux de boutiques artisans du monde, qui est vraiment l'équivalent des magasins. C'est nos magasins du monde français. Voilà. En Belgique aussi. Excusez-moi, j'ai pas écouté parce que j'étais en train de penser à ce que j'allais dire en plus. Oui, puis après, juste pour peut-être enlever certaines craintes, en tout cas ce qu'on fait en Belgique. Donc, on est en train de mener une réflexion sur la législation sur le commerce équitable. Et donc, on réunit les organisations du secteur et Fairbel en fait partie. Et on avait notamment invité Julie pour expliquer ce qui se passait en France. Et pour l'instant, les organisations en Belgique considèrent que c'est pas la priorité de légiférer sur le commerce équitable. Et donc, si ça en reste là, s'il n'y a pas non plus véritablement une volonté politique ou une majorité politique, je rentre pas dans le débat, pour l'instant, ça va pas se faire. Mais au départ, dans la réflexion, votre équivalent, Fairbel, fait partie de la réflexion en Belgique. Voilà. Merci beaucoup. Une question? Oui, vous pourriez appeler votre lait solidaire pour éviter l'équitable, qui est quelque chose avec une définition. Et solidaire, pour moi, c'est ça, être solidaire avec les paysans. Je voulais ajouter, moi, je n'achèterai jamais du lait upérisé. Si c'est déjà le bilan de masse, il faudrait du lait frais pour moi. De toute façon. Alors, c'est vrai que nous, ça fait 2 ans qu'on commercialise nos produits. Et il faut aussi comprendre que c'est des petits volumes. Donc, en pasteurisé, la logistique, pour l'instant, elle est trop complexe. Donc, l'upérisé, ça permet d'avoir d'éviter la chaîne du froid et d'avoir une data de 12 semaines à peu près. Donc, ça permet d'être plus flexible au niveau de la logistique. Une fois que les volumes augmentent, que le marché se développe, là, c'est sûr qu'on peut aller peut-être vers un lait pasteurisé. D'ailleurs, c'est en étude. On a des projets de lait pasteurisé pour la Suisse alémanique. On commercialise un lait pasteurisé en Suisse alémanique et prochainement en Suisse romande. Mais ça reste des petites quantités. Donc, la logistique, elle est complexe. Donc, voilà, c'est vrai que c'est... Pour l'instant, on est une coopérative assez neuve. Finalement, ça fait que 2 ans qu'on travaille. Mais dans le futur, c'est sûr qu'on va devoir élargir notre gamme de produits. Merci beaucoup. Dans les questions, il y a cette question qui s'adresse à Lassane. C'est Bernadette Aurier de Lémon qui dit « Comment est-ce que vous avez fait pour développer Napam Beogo à Lassane ? Comment est-ce que vous avez fait pour développer toutes les activités ? Vous avez forcément dû investir. Et puis, comment investir dans un pays où le salaire moyen est de à peu près 50 euros par mois ? Vous l'avez trouvé où, l'argent ? Oui, je dirais que je remercie d'ailleurs chaleureusement notre chère amie Bernadette Auriot. Je pense que qui me suit depuis des éternités avec ses amis. C'est-à-dire que l'approche pour Napam était vraiment dans la vision de dire que, comme on dit, quand vous parlez du commerce équitable nord-nord et vous parlez du sud-sud depuis les années 2000, mon intention était de dire si les relations entre le nord sur aujourd'hui sur la qui a été un moyen pour moi de développer mes partenariats commerciaux avec je dirais les boutiques artisanaux, les distributeurs les distributeurs d'artisanat comme Andine, comme Siracura, et puis voilà. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, j'ai monté le réseau du soja biologique au Burkina Faso. Donc, ça fait notre 11e campagne. Ça a permis de travailler et
exporter nos productions en direction de notre cher client, l'UFAB, l'Union française de l'agriculture biologique. Donc, l'intérêt dès le départ, c'est utiliser le commerce. Le commerce entre l'Europe pour développer le local. Et c'est ce que j'ai utilisé pour faire. Je note aujourd'hui que Bernadette, et j'ai toujours dit que j'ai des amis dans le réseau du commerce équitable, j'ai des partenaires commerciaux, mais j'ai pas des partenaires financiers. Donc, la stratégie pour moi, c'était de travailler et investir ici au Burkina Faso. C'est ce que j'ai dû anticiper sur des valeurs que je savais, parce qu'au début du commerce équitable, j'en ai fait des tournées, j'ai fait des quinzaines du commerce équitable en France, j'ai fait des salons, j'ai fait plein d'activités commerciales en important mes produits en Europe, aux États-Unis et un peu partout. Et je me disais, il y a des années, voilà, je pense que je vais même rester en France. Mais j'ai dit non, il faut que je retourne même aux États-Unis. J'ai mon travail, il est au Burkina. Ça m'empêche pas de voyager les 5 continents aujourd'hui. Donc c'est toutes ces expériences. Pour vous dire un peu, j'ai travaillé au jardin de cocaïne. Quand je venais souvent pour ramasser, c'est des expériences qui ont déjà pris les expériences de bout à bout. Au Burkina aussi, en sous-région, dans ces villes. En fait, c'est n'a pas, mais comme une grosse coopérative, en fait. Et les valeurs qui me portaient, c'est, comme on dit, le juste valeur. Le juste. Parce que tu peux développer. Voilà. Merci beaucoup, Alassane. Je vous en prie. Oui, on va arriver au bout de notre échange. Il doit y avoir une question pour Marco, c'est ça? Non. Alors, peut-être encore une dernière question que j'aimerais poser à Marco. Est-ce que on vous sent combatif, on vous sent même aussi optimiste? Est-ce que vraiment vous êtes optimiste vis-à-vis de la situation qu'on vit actuellement? Est-ce que vous avez des raisons d'espérer? Peut-être la poser en in italiano, peut-être. Est-ce que Marco a des raisons d'espérer alors que la situation est vraiment difficile aujourd'hui? Ottimista per il commercio equo, ottimista per la nostra civilizzazione. Vous êtes optimiste, Marco? Ho dei dubbi. Io credo che se non costruiamo un modello produttivo commerciale di consumo che comincia a decrescere, felicemente, ma decrescere, non sarà facile per questo pianeta e per la nostra civiltà. Donc si on ne réussit pas à construire quelque chose et qu'on laisse les choses descendre, ben on va se retrouver dans une situation qui sera assez catastrophique. Alassane, vous êtes optimiste? Oui, je reste. Je pense que l'engagement aujourd'hui, c'est, j'ai toujours dit aux producteurs, productrices, artisans, c'est l'engagement dans le travail. Quand on travaille, on peut rester optimiste. Merci beaucoup. Samuel, est-ce que vous êtes optimiste? Par rapport à quoi, en général ou, oui, tout à fait. Dans le sens où, comme on a essayé de le montrer, l'importance de lier, de faire des ponts entre les producteurs, entre les agriculteurs du Nord et du Sud. Et si on y arrive, on sera encore plus fort pour travailler sur cette transition écologique et sociale dont on a tous besoin. Julie, optimiste? Écoutez, on est là, sinon on serait pas là. Donc, on continue à se battre. Hein. Je pense que c'est, il y a des dynamiques qui sont positives. Après, comme beaucoup, j'ai quand même un peu d'angoisse sur l'évolution climatique de notre planète et l'avenir de mes enfants par rapport à ça et l'impression que les choses s'accélèrent à un niveau dramatique. Mais voilà, ce qu'on essaye de porter va porter des choses positives. Mais voilà, il faut ramer tous les jours. Ouais. Même question, Anne. Oui, alors je pense que je suis d'une nature assez optimiste, sinon ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté de traire des vaches. Je pense quand même qu'on a réussi à sensibiliser le consommateur, en tout cas une partie des consommateurs, à l'importance de réfléchir à comment est-ce qu'il rémunère celui qui le nourrit,
parce que manger, c'est 3 fois par jour. Ça, ça va continuer. Quoi qu'il se passe, on va jamais manger nos iPhones, ni notre télé, ni notre tablette. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui nous nourrissent. Et je pense que c'est urgent de prendre conscience que si on veut encore avoir des paysans qui produisent de la nourriture chez nous, eh ben, il va falloir commencer à les payer au prix juste parce que un système alimentaire qui est basé sur l'importation, c'est un système alimentaire qui est fragile et qui met en danger la sécurité de l'approvisionnement d'un pays. Donc, je reste optimiste de croire que les gens vont prendre conscience de l'urgence de la situation et vont commencer à nous rémunérer à hauteur de notre travail. Merci beaucoup. Puis une autre raison de l'optimisme, c'est le fait que vous avez trouvé un autre nom si jamais tout d'un coup, Equitable n'était plus possible. Lara, optimiste? Très inquiète par rapport à la situation en ce moment, mais je reste optimiste vu la mobilisation des jeunes qui se sentent terriblement concernés par rapport au monde dans lequel ils vont vivre. Et puis j'ai l'impression aujourd'hui que les thématiques comme celui du commerce équitable, l'économie sociale et solidaire, c'est des thématiques qui parlent et puis on va trouver aussi de la jeunesse qui va les porter. C'est mon espoir, c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, mais on est un monde qui est en train de se replier sur lui-même, de chacun dans sa petite sphère, chacun dans son petit monde et comme ça. Puis on a vu ce soir qu'il y a des possibilités d'ouverture. Alors merci à vous qui avez suivi ici dans la salle. Merci à vous qui nous avez suivis sur Facebook. Merci à la salle. Merci Marco. C'était pas toujours évident, mais c'était magnifique de pouvoir avoir cet échange avec vous. On vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée à Santiago pour effectivement. Quelle heure il est au Chili aujourd'hui, là, actuellement? Quelle heure est 2h30 de la tarde. Le milieu de la journée. 2h30 del pomeriggio. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Et à vous tous. Bonne soirée. Bientôt.